Bah, tout simplement, ce réveil musculaire, d'abord, il est le jour du match. Donc, il est important de laisser les corps récupérer encore et se préparer au match de ce soir. Mais les laisser la journée complète en champ, ça serait une hérésie. Donc, c'est important, chaque jour de match, de faire soit un réveil musculaire juste avant le petit-déj, sur des corps qui sortent du lit. C'est pas toujours l'idéal, mais parfois, ça peut se faire, notamment si on joue à 15h. Là, on joue à 18h30, donc on a fait le choix de faire un protocole réveil musculaire à 10h, un protocole de 20 minutes qui permet à la fois de faire un travail de mobilisation articulaire, un travail de souplesse, et puis un travail ludique avec ballon qui permet de travailler sur l'ensemble des sens, et notamment la prise d'information, le travail en groupe, et puis évidemment la bonne humeur pour se préparer au match de ce soir. Voilà. Ensuite, ça vient aussi au lendemain d'une journée complète de récupération où on a utilisé différents protocoles, comme vous avez pu le voir, entre les massages, la pressothérapie, la cryothérapie et puis la balnéo. Donc hier, ça a vraiment été une journée complète de récup. Et donc ce matin, on vient juste éveiller les sens le jour du match pour que ce soir, on soit pleinement prêt à 18h30 à débuter le match. Comme je disais tout à l'heure là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de densité dans la surface, donc j'ai décidé de me mettre en retrait. Le ballon arrive, donc je ne me pose pas de questions, je reprends de voler et j'égalise juste avant la mi-temps justement. Et ça nous a permis de mieux démarrer la deuxième, puisqu'on score pas longtemps après. Et bon, on termine avec un score nul, donc ça c'est bien aussi, mais bon, les tirs ne sont pas faciles ici. Donc on a joué avec nos qualités, avec les joueurs qui nous restaient, puisqu'on a beaucoup de blessés. Et voilà. Jules Labo, numéro 10. Du coup, on s'est dit avec les copains, les coéquipiers, qu'on voulait attaquer plus fort que jeudi dernier, jeudi. Du coup, on a perdu 1-0. Du coup, on a dit, avant le match commence, qu'on va attaquer fort. Et c'est ce qu'on a fait, on a mis la pression. Et je marque un but dès la 6e minute, je pense. Après, on n'a pas su tuer le match et on prend un but juste avant la mi-temps, ça nous a cassé la morale. Après, le retour des vestiaires, là, on a encaissé le deuxième but. Après, on a serré les dents, on a surmonté au score de partout. Et malgré qu'on n'a pas gagné, on est satisfait du résultat. Donc Manon dit, 27 ans, joueur du Club Colonial, joueur polyvalent, peut jouer arrière gauche, attaquant, milieu, peu importe. Le match a été un beau match, avec beaucoup d'impact, mais avec beaucoup de respect aussi des équipes. Je pense que les supporters qui étaient présents ce soir n'ont pas été déçus. Donc, on a pas réussi à gagner, mais au moins on sort de la sans défaite. Donc, pour moi, c'est bon pour nous. Ton but, donc, c'est un jeu que nous avons fait avec le ballon sol. Ils ont pu m'avoir entre les lignes. J'ai pu retourner lancer le leg gauche de Malcolm Fort qui m'a remis dans la course et j'ai fini de pas du tout. Non, je pense que ce soir le public est satisfait. On a pu se rendre compte qu'on a vu un beau match ce soir. Après, il faut souligner aussi que la qualité du terrain était meilleure que jeudi soir. Donc les deux équipes ont pu poser le jeu. Donc après, on a fait une très bonne première mi-temps. C'est dommage qu'on prend ce but juste avant la mi-temps qui nous coupe un peu les jambes. Et
et qui regonfle le moral des joueurs de la Martinique. En deuxième mi-temps aussi, bon, ça les a donné un peu plus de moral. On avait une équipe de Martinique beaucoup plus entreprenante, notamment leur deuxième but qui a été à la suite d'une très belle action collective. Après nous, malgré ce coup dur, on a su quand même revenir au score. Donc dans l'ensemble, je dirais que le match nul est normal ce soir. Et même si on a perdu jeudi soir, honnêtement, je ne pense pas qu'on aurait dû perdre jeudi soir. Mais sur l'ensemble des deux matchs, on va dire qu'on a pratiquement vu deux équipes pratiquement du même niveau. Ben, d'abord, je suis très satisfait parce que les joueurs n'ont rien lâché. Je veux dire, on a souffert un peu en première mi-temps. D'abord parce que la Guyane a ouvert le score, donc c'est jamais facile de jouer face à une équipe qui joue bloc bas et qui joue en contre. Donc on a fait très attention de ne pas prendre ce deuxième but. Et puis on a eu la réussite avec nous, puisque sur un travail sur les coups de pied arrêtés, comme on les avait travaillés dans la semaine, ça a payé, donc on était satisfait à la mi-temps. Le point noir, bah, c'est les blessures, puisqu'on a eu pas mal de petits pépins musculaires, ce qui fait qu'on a utilisé tous les joueurs. En deuxième mi-temps, on a retrouvé un petit peu plus d'allant et on a marqué un but fantastique, puisque il doit y avoir 5 ou 6 joueurs qui ont touché le ballon en une ou deux touches. C'est des choses qu'on avait travaillées à l'entraînement et je suis satisfait qu'on ait marqué un but dans le jeu.